Mardi 9 avril 2024, Éric Nolot était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8. Peu après avoir dit tout le mal qu'il pensait de la présence d'Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, le chroniqueur persiste et signe. La polémique ne désenfle pas. Il y a quelques semaines, il a été indiqué qu'Aya Nakamura chanterait lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, à Paris. Alors que ce choix fait beaucoup réagir, Emmanuel Macron avait pris la parole afin de défendre l'artiste la plus streamée parmi les artistes francophones qui parle à bon nombre de nos compatriotes. Je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails, mais si elle fait partie avec d'autres artistes d'une cérémonie, c'est une bonne chose parce que ces cérémonies doivent nous ressembler. Elle participe justement aussi de la culture française, de la chanson française, avait-il déclaré. Éric Nolot, elle n'est pas qualifiée pour représenter la France. Un avis que ne partage pas Éric Nolot, qui avait déclaré sur le plateau du Buzz TV de TV Mag. C'est une très mauvaise idée. Très mauvaise idée parce qu'Aya Nakamura, c'est le plus merdique de la mouzak, c'est-à-dire la musique mondialisée. C'est la maltraitance du français, c'est l'autotune, avait-il déploré avant d'évoquer la politique du pire. Mardi 9 avril 2024, le chroniqueur en a rajouté une couche sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8. Aya Nakamura, elle peut chanter ce qu'elle veut. On peut l'écouter, on peut l'apprécier. Je dis simplement qu'elle n'est pas qualifiée pour représenter la France dans un événement aussi considérable que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, a-t-il lâché. Éric Nolot ne décolère pas. Agacé, Éric Nolot a ajouté, un autre aspect important de la culture française c'est la langue française, or elle chante dans une bouillie de français. Comme un oiseau, je veux fly, voler. Elle peut fly où elle veut, mais pas au-dessus de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je pense qu'elle n'est pas représentative de la culture française parce que, ça va être une vitrine sur notre pays, sur notre culture. De son côté, c'est après avoir assuré que d'autres artistes auraient pu chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques que Cyril Hanouna a déclaré. Je vais te dire où elle est disqualifiée. C'est pour ses ennuis judiciaires. Tu ne peux pas représenter la France aux Jeux Olympiques et chanter Édith Piaf quand tu as un casier judiciaire.